Et ton prix est de 100 millions. Je ne suis pas du tout en train d'acheter Panky. J'achète plutôt sa liberté. Et si je ne te donne pas ces 100 millions de roupies, alors je sortirai définitivement de la vie de Panty. Et j'ai pris le temps de lire ce contrat. Il est bien stipulé que dès que j'aurai donné l'argent, le vendeur n'aura plus aucun droit sur elle. D'accord, alors je pourrai la toucher le 11e jour. C'est mon engagement. Mais c'est loin d'être un engagement. C'est une contrainte légale. La loi s'occupera de toi si tu ne la respectes pas. Panky, je te promets que dans 10 jours, je te sortirai d'ici. Excellent. Super. Fantastique. Et le compte à rebours commence maintenant. Chaque histoire d'amour commence avec des cadeaux, des fleurs. Mais l'histoire d'amour de ma chérie commence par un prix qu'on lui donne. Et dans cette atmosphère, où le prix de tout est revu à la baisse, eh bien, le prix de ma chérie ne baissera pas. Écoute-moi, mon bébé, ne te plains pas que je te traite comme un singe dans une cage. Parce que lui aussi est en train de t'acheter comme une chose. Panky, n'écoute pas ce qu'il dit. Il veut essayer de montrer qu'il a raison. Raison à Anne? C'est un deal. Et je te promets que tu ne seras pas capable de remplir les conditions de ce deal. Dans 10 jours, tu te retrouveras à mes pieds. Tu perdras tout ton courage. Et tu perdras ton amour. Non, Anne. Tu ne signeras pas ce type de contrat. Anne, essaye de comprendre. Cette personne,
m'a rendue esclave et maintenant, il veut aussi faire de toi son esclave. Non, Pompty, n'aie pas peur. Je saurai m'en sortir. Non, Han, tu ne le connais pas, il est comme... Comme un dieu, n'est-ce pas? Regarde, j'avais bien dit qu'un jour, ma chérie me verrait comme je suis vraiment. Han, il te mettra des bâtons dans les roues, c'est sûr. Il t'empêchera d'y parvenir. De toute façon, je n'aime pas les combats faciles. Donc, pour ce qui va arriver, je vais devoir travailler vraiment très dur. Mais je te promets une chose, Pompty. C'est que je vais tout faire pour te faire libérer de cette prison. Ne t'inquiète pas, Pompty. C'est juste 10 jours. Et après, tu seras libre. Libre. Liberté. La joie. Ce sont peut-être des mots qui n'ont pas été faits pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Pompty? Tu n'es pas heureuse? Je dois être heureuse. Oui. J'ai été vendue contre une forte somme. Je dois être heureuse. Oui. Je suis heureuse. Qu'est-ce qui t'arrive, Pompty? Non. Maintenant, tu ne peux plus me toucher. Comment peux-tu me toucher? Tu ne m'as même pas encore acheté. C'est ce qui est écrit sur le contrat. Le truc... c'est que tu as aussi proposé un prix pour moi, Han. Comment as-tu fait pour arriver à ce prix? 2 millions pour l'amour. 2 millions pour le divertissement. Et c'est à 2 millions... que Monsieur J.D. m'a acheté à ma mère. Et toi? Tu es en train de m'acheter à Monsieur J.D. Colle vendue sur moi. Non? Ou plutôt, revendue. Mais Pompty... Assez. Je veux juste te dire que... je ne suis pas une chose. Je ne suis pas un jouet. Je suis un être humain. Au fait, ma mère n'a pas compris. Monsieur J.D. n'a pas compris non plus. J'espère que toi, tu me comprends. Je n'aime pas ça. Je ne veux plus du tout être traitée de cette façon. Être vendue et rachetée. Parce
celui que j'aime. Pankti, je ne suis pas en train de t'acheter. Je veux te libérer. Donc il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y en a pas. C'est pourquoi J'ai accepté cette condition qu'il a proposée. Je n'ai pas vérifié si c'était logique ou pas. J'ai juste accepté. Pourquoi n'as-tu pas compris que cette personne essayait de te tromper, Anne? Comment vas-tu faire pour avoir 100 millions en 10 jours? Cette partie n'engage que moi. C'est ma responsabilité. Toi, tu dois juste me faire confiance. C'est pourquoi je te disais de rester loin de moi. C'est pourquoi je te fuyais. À chaque fois, je te disais de ne pas m'aimer. Parce que je savais. Je savais qu'en tombant amoureux de moi, toutes ces choses allaient arriver ensuite. Eh bien maintenant, c'est fait. On ne peut pas changer le passé. Anne. Tu dois annuler ce contrat. Si mon amour était fragile, alors j'aurais fait marche arrière dès la première fois que tu m'as dit ça. Chaque fois que tu t'enfuyais, je n'ai jamais baissé les bras. Chaque fois que tu refusais de m'aimer, alors je continuais. Je continuais malgré tout à t'aimer. Je n'ai jamais lâché. Aujourd'hui, je n'annulerai pas ce deal. Tu sais très bien que je suis un garçon obstiné. Si tu doutes toujours, alors, s'il te plaît, va le demander à mon père. D'accord. Tant que tu n'annuleras pas le contrat. Non. Alors écoute-moi très bien. Je ne suis pas avec toi dans cette lutte. Pas de problème. Je t'attendrai jusqu'à ce que ce combat prenne fin. Ce qui compte le plus pour moi, c'est que tu retrouves ta liberté. Et si jamais il obtient vraiment les 100 millions? Il se trouve que tout ce que la fourmi amasse ne peut jamais former une montagne. Où tu penses que quelqu'un pourrait donner 100 millions à Anne? Qui aimera la maîtresse que tu as achetée? Avec qui restera-t-elle? Depuis que tu l'as fait danser dans tes soirées, avec qui emménagera-t-elle? Il fut un temps où les réponses à ces questions ne pouvaient être obtenues. Attends juste 10 jours de plus. Et pour toutes les questions que tu te poses, tu en auras bientôt les réponses. Attends juste 10 jours. Anne te donnera 100 millions dans exactement 10 jours. Et c'est la promesse que je te fais. Je vois. Je constate que c'est la saison des promesses. Voir n'importe qui faire des promesses, même jurées. Imagine que le soleil se lève à l'ouest et qu'Anne vient me donner 100 millions de roupies. Cela veut dire que ton propriétaire va aussi changer, chérie.
de JD à Anne. Et toi, tu resteras toujours une chose. Tu sais ce que c'est. C'est ton contrat de vente. Oh ! Propriété privée ? Je ne peux pas te toucher avant 10 jours. Mais après tout ça, j'organiserai une grande fête. Ah, ne m'achète pas. Il me rend juste ma liberté. Ma chérie, ne jouons pas sur les mots. Il n'y a aucune différence. Si tu ne comprends pas la différence entre ces deux mots, alors quelle serait la différence entre Anne et toi ? Tais-toi, Pankti. Sais-tu à qui tu t'adresses ? Oui. Un vulgaire acheteur qui m'a acheté, a payé le prix et maintenant, il le fait avec Anne. À vous. À vous que je suis ta chose. Et tu as utilisé cette chose pour avoir un certain prix. Me faire danser à plusieurs de tes fêtes. Toujours pour pouvoir récupérer de l'argent. Tu m'as torturée émotionnellement, tu m'as battue. Pas mon corps, mais mon âme. Avec tout ce que tu as fait, tu as eu assez. Tu as reçu assez d'argent grâce à moi. Alors pourquoi demandes-tu encore de l'argent pour moi ? Même dans ce cas. Dans ce cas, Anne te donnera mon argent. Les problèmes peuvent surgir plus tard aussi. Il peut aller dire à tout le monde que vous entretenez une relation avec Pankti. Alors c'est votre honneur qui sera sali. Et beaucoup diront que votre relation est totalement illégale. Il a déjà essayé, mais sans succès. S'il continue encore, il continuera à lécher le sol. Et en ce qui concerne la loi, le moment venu, je l'achèterai moi-même. Alors, vous pensez aussi que vous pouvez acheter la loi ? Intelligente. Pour l'instant, observe bien la fourmi qui lutte. Frère, tu m'as appelé. Est-ce qu'il y a du travail ? Oui. Je veux te confier certaines tâches. Pour que tu puisses monter en grade. Je ne comprends pas. Notre compagnie Jai Matadi va lancer un nouveau département cinéma. Et ton frère aîné souhaite que tu occupes la place la plus importante. Ok. Et dis-moi, quel est ce poste ? Partenaire. J'ai parlé avec le conseil d'administration et ton nom figure également sur les papiers en tant que... partenaire. Et la société avec laquelle nous sommes en partenariat est la société d'un de mes vieux amis, Monsieur Deep Raichand,
qui est de Shimla. Et il te souhaite bonne chance. Pourquoi maintenant ? Hein, Giant ? Eh bien, il se trouve que... j'attendais cette occasion et... cette compagnie a été formée. Alors comment aurais-je pu laisser filer une telle opportunité ? Merci, mon frère. Je ne sais même pas quoi te dire. Merci. Je t'en prie. Maintenant, vas-y. Finis le travail en cours et va travailler en tant que DG. Oui. Jagdish, j'ai le père sous contrôle. Donc maintenant, garde un œil sur le fils. Je peux vous aider ? Oui, madame Danrajgir. J'apporte le contrat à monsieur afin qu'il puisse le signer. De quel contrat s'agit-il ? Il le sait. Bien. Si ça concerne mon mari, vous pouvez me le dire aussi. Je suis son épouse. De quel contrat parlez-vous ? Il achète ou il vend quelque chose ? Je suis vraiment désolé, madame Danrajgir, mais j'ai reçu l'ordre de garder ce contrat confidentiel. Je suis désolé. Merveilleux. Mais maintenant, en tant que dirigeante de la société, je vous ordonne de me remettre ce contrat. Ah, maître. Vous êtes là. J'attendais justement ce contrat. Merci beaucoup. Quel est donc ce contrat ? Oh, mon amour. Eh bien, c'est un très vieux terrain, tu sais. Je ne voulais même pas le vendre. Mais soudain, j'ai eu un acheteur. Et il est très motivé. De quel vieux terrain tu parles ? Chérie, il y a tellement de propriétés. Comment vais-je t'expliquer de quelle terre il s'agit exactement ? Si tu ne veux plus vendre ce terrain, dis juste non. Ah, j'ai pris une avance, mais il y a une clause qui stipule que si je n'obtiens pas le paiement dans les délais fixés, la terre sera à nouveau à moi et donc je récupérerai l'avance aussi. Ça, c'est à cause de la manière dont tu gères tes affaires. Ma femme me connaît tellement bien. Mon amour, c'est l'heure de tes médicaments. Allez, viens, on y va. S'il vous plaît, maître, pouvez-vous me déposer ce contrat au bureau le plus vite possible ? Merci beaucoup. Bien sûr. Allons-y. Au fait, je viens de me rappeler. Les préparatifs pour la fête sont terminés. Tu as envoyé les invitations ? Oui, tout le monde a reçu les invitations, sauf... Anita Sharma. Ça a beau être sa mère, Panti sera la seule invitée. Oui, mon amour. Étrange, Panti. Au début, tu te battais avec Anne, et maintenant tu te bats contre lui. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ton esprit. Je ne sais pas. D'une part, j'éprouve de l'amour pour Anne, car il a accepté un tel pari pour moi. Mais d'autre part, je suis en colère contre lui, car il a décidé de m'acheter. Je ne sais plus quoi penser.
si c'est bien ou mal. Que dois-je faire ? Pankti. Pankti, tu sais qu'il n'avait pas d'autre choix. Donc on lui a proposé et il a accepté. Pourquoi, ma sœur ? Pourquoi ? Monsieur Jide ne le laissera pas gagner ses 100 millions. Il va continuer à lui mettre des bâtons dans les roues et il ne sera pas en mesure de gagner. Alors comment vais-je le sauver ? Dis-le-moi, ma sœur. Comment vais-je le sauver ? Très bien. Admettons que par hasard, Ahan donne à Monsieur Jide les 100 millions. Car c'est bien la garantie pour que Monsieur Jide me libère. Crois-tu qu'on puisse croire Monsieur Jide sur parole? Je lui ai dit qu'il était stupide. Pour qu'il reste loin de moi. Mais il est si têtu. Il n'écoute personne. C'est une vraie plaie. Il n'en fait qu'à sa tête. Tu veux aider Ahan, alors ne le quitte pas. Il a besoin que tu le soutiennes. Ne l'abandonne pas, sinon il sera faible face à Monsieur Jide. Je ne laisserai pas mon amour faiblir face à Monsieur Jide. Va, je vais me battre. Et je ne laisserai pas Ahan seule face à tout ça. Je n'ai jamais voulu l'abandonner. Je voulais tout simplement qu'il s'éloigne, c'est tout. Qu'il lâche l'affaire. Mais comment Ahan va faire pour avoir ses 100 millions ? Ma sœur, si jamais Ahan a un problème, alors il m'entraînera avec lui. Oui, monsieur Jayant. C'est ça. Continuez à vous lamenter tout le temps. En disant que vos vies ne sont pas normales. Mais chaque fois que vous en avez l'occasion, vous vous mettez à papoter comme deux sœurs normales, alors arrêtez de pleurnicher. Je sais que vous vous dites... Et mon héros. Monsieur Jayant est un méchant. Et ma mère est une vraie sorcière. Maintenant, ça suffit, les Jérémiades. Et préparez-vous pour demain. Monsieur Jayant a appelé. Il y a une fête chez lui. Et on doit y aller. J'oubliais. Si tu t'avises de me faire une scène là-bas demain soir, eh bien, je ferai en sorte que Monsieur Jayant augmente ton prix à 110 millions. Compris ? Écoutez, monsieur, il ne rencontre personne sans rendez-vous. Essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Je n'ai pas eu le temps d'appeler pour prendre un rendez-vous. Maintenant, mais vous... Rhythm Music Company m'a appelé plus tôt. Il voulait signer un contrat avec moi. Mais j'ai eu un empêchement, s'il vous plaît. Si c'est le cas, monsieur ne vous rencontrera certainement pas. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur sera là bientôt. Je peux essayer. C'est Ahan ? Qu'a-t-il dit ? Il est allé à une réunion dans un studio de musique. Rhythm Music Company. Rhythm ? Tu connais quelqu'un là-bas ? Oui, le propriétaire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Salut.
Tu sais qui il est? Celui que j'ai rencontré hier. Rajgir souhaite vous rencontrer. Il prétend que notre compagnie voudrait signer un contrat avec lui. Oui, envoyez-le moi. Avec beaucoup de respect. Oui. Monsieur, venez. Entrez, entrez. Je vous en prie, venez. Il ne répond pas. Asseyez-vous. Je vous en prie, allez-y. Vous me connaissez? Si je ne vous connaissais pas, pourquoi est-ce que je vous aurais proposé de signer? Dites-moi, je vous sers quoi? Du thé, du café? Ou alors le contrat que vous n'avez pas pu signer? Je suis venu pour parler de ça, justement. Est-ce qu'on pourrait reparler à nouveau de ce contrat, s'il vous plaît? Monsieur, vous savez, notre compagnie est très petite. Comment pouvons-nous vous signer? Je veux dire, vous êtes... Pourquoi dites-vous cela? Aiza Music Company est l'un des meilleurs labels de musique. Je sais. Mais si je dis à quelqu'un que la compagnie est petite, ça ne veut pas dire que je suis en train d'insulter la compagnie. Mais plutôt celui qui est devant moi. Je suis vraiment désolé. Pour la dernière fois, il y a eu un petit problème. Mais le problème demeure. Vous le savez. Quand une personne assoiffée vient, c'est normal. Mais quand le puits va à une personne assoiffée, c'est anormal. Vous, vous êtes un artiste. Vous pouvez oser. Moi, je suis un homme d'affaires. Je ne prends pas de risques en affaires. Pas dans ces conditions. Vous savez, en affaires, il existe une règle. Faites des affaires avec ceux avec qui vous pouvez travailler et gagner. Pas avec ceux qui auront un profit en travaillant avec vous. Très bien. Alors je vous promets que très bientôt ce jour arrivera où vous verrez du profit en moi. Et c'est vous qui viendrez à moi avec un contrat à signer. Oui. C'est exactement ça. C'est ça que j'aime chez vous, les artistes. Vous êtes là à parler des étoiles. Allez-y, trouvez une opportunité. Mon petit Chetty vous a promis que... qu'il vous donnera ce que vous recherchez. Bonne chance. Allô? Ah, Pourva. D'abord votre message, ensuite l'appel. Je crois que nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde.
Dites-moi, quelle est la prochaine étape? Un café? Ou une pizza? En fait, Monsieur Monty, je veux vous parler d'un sujet important. Au moins, j'entends votre voix. Vous savez, vous déchirez mon cœur en 1000 morceaux. Désolée. En fait, Anne doit être venue pour vous rencontrer. Il faut traiter un artiste avec respect. Vous devez respecter le nom des artistes. Monsieur Ahan Danrajgir, ok? Il est venu, oui. Et il est reparti. Alors vous avez signé un deal avec lui? Et non, Purva. Il a d'abord refusé. Et aujourd'hui, il essaye de revenir signer avec moi. En fait, c'est l'ami de Pankti. Et il a besoin de votre aide. Il a un gros problème. Alors... Il faudrait l'aider, s'il vous plaît. Oui, pourquoi pas. Je pourrais l'emmener faire un tour ou faisons une chose. Je vais lui réserver des vacances. Ou alors, je vais l'emmener à l'extérieur, mais je ne pourrai rien faire de plus. Faites-le pour moi. Ma chère Purva, je ne mélange pas l'amitié et les affaires. Écoute, Purva, le risque est bien trop grand et tu sais, un homme d'affaires fait des calculs avant de prendre des risques. Je ne m'excuserai pas, car je ne vois absolument rien de mal là-dedans. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt. Je dois arrêter Anne. Donc le nom de cette terre, c'est Pankti. Je t'avais pourtant prévenu que tu ferais tout ce que tu veux, mais que ça doit rester hors de la maison. Si maman avait lu ce contrat... Comment pourrais-je le lui donner? Ma vie est entre les mains de ta mère, tu le sais. Je serais incapable de faire quoi que ce soit qui puisse la rendre triste. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça avec moi. Fais-le avec maman. Elle sera heureuse. Et pour les autres filles que tu vois, tu signes un contrat? D'accord. Bien, donc Ahan veut t'acheter Pankti. Juste pour 100 millions. Il est devenu audacieux. S'il réunit cet argent, alors... Son père est incapable de gagner sa vie. Où va-t-il le prendre? De qui est-ce que vous parlez? Et qui ne pourra pas gagner? On parle affaires. Ne t'en fais pas. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu voulais? Je suis venue pour parler d'Anne et de Pankti. Je suis très tendue aujourd'hui. Leur comportement à tous les deux a changé, comme s'ils avaient un problème. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi. Ils ne veulent rien me dire. Richa, je pense que tu devrais te concentrer sur notre mariage. Et de faire quelques amis.
un jour. Tu n'es pas Khan, tu es Ahan. Il doit bien y avoir un moyen de s'en sortir. Quand j'y pense, une seule chose me vient à l'esprit. Tu n'aurais pas dû faire ce deal. Tais-toi, Uday. Il doit y avoir un moyen. Un contrat de musique, une maison de disques. Ahan, on n'a pas pu le faire depuis des mois. C'est juste impossible de faire ça en quelques jours. Il y a des offres pour la fête du Nouvel An. Les mariages. C'est la période des mariages. Des mariages et des anniversaires. Je ne peux pas perdre une journée. Il y a une chose, mais je ne sais pas si tu peux le faire. Pour Pangti, je ferai l'impossible. Il y a un événement demain. Un lancement. Un homme d'affaires de Simla recherche un bon chanteur et tu pourras le rencontrer. Mais le problème, c'est que... Quoi ? Cet événement aura lieu chez vous et tu devras peut-être chanter. Aashiqui, 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 aashiqui.